Je me demande comment il est encore possible d'entendre si clairement sa voix. Si ça fait vraiment 20 ans qu'il est sorti de ma vie. Si j'ai jamais rien connu de lui. S'il est mort, peut-être. Sa voix, comme un souffle, un vent venu d'Allemagne. Chaque fois que je vais dans son pays, c'est la même chose. Il me revient, comme le fantôme à Hamlet. Cette pensée seule me paralyse et m'assigne la résidence d'une chambre que je n'ai pas quittée depuis une semaine. J'ai arrêté de compter les appels en absence de mon éditeur. Je n'irai pas à ce salon du livre. Et si ça la fout mal pour l'auteur d'un premier best-seller, tant pis. L'appartement exerce sur moi un magnétisme puissant, presque irrésistible. J'aimerais lui écrire une lettre. Chaque fois que je suis face à la page, j'entends frapper à la porte. J'entends son accent allemand dévastateur sonner l'éclat d'une enfance parisienne teintée de mélancolie. Allô, Paul, Chris, papa. Et je mets une vitesse sur Rukvedesh. J'entends distinctement, avec les oreilles d'un enfant, dans le corps d'un adulte, les bras. Les épaules d'un adulte, les lèvres d'un adulte. Je n'ouvrirai pas la porte. Il ne sait pas que je suis en Allemagne. Il ne sait même pas que je suis. Il ignore tout de moi. Est-ce qu'il pense à moi parfois? Et quoi, la porte ne sont des hallucinations, mais elles insistent. Elle m'invite à sa table. Il me dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Que dehors il fait beau et qu'un jeune garçon va prendre l'air. Que tout cela passera aussi. C'est ainsi que j'ai passé la dernière semaine. Enfermé. Dans une chambre orientée nord, cherchant en vain à faire disparaître quelqu'un déjà disparu depuis 20 ans. Sur le plafond, il y a comme des impacts de balles. Les murs renferment des blessures. Papa. Papa.